Bonjour. C'est ça. Vous êtes secrétaire général délégué de SGP Police. On était en train d'évoquer le changement de méthode. Un certain nombre d'élus, notamment de droite, enfin surtout de droite d'ailleurs, disent maintenant il faut changer de méthode, il faut permettre aux policiers de répliquer. Cet avocat qu'on avait en direct il y a une seconde disait c'est vrai que c'est ce que réclament souvent les policiers. Ça peut faire partie des solutions ou pas? Ça peut faire partie des solutions. Moi, j'aurais plutôt envie qu'on parle de réponse pénale avant de parler d'usage des armes. Parce que peut-être que. En effet, le débat d'après, ça sera la légitime défense et la manière dont, encore une fois, on cadre l'usage des armes, qu'elles soient intermédiaires ou des armes létales. Mais je pense que c'est important quand même qu'on replace justement le débat et qu'on pose un constat quand même de savoir pourquoi on en est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a raté, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut déjà mettre en route qui fasse en sorte qu'on sorte un peu de là. Et je suis pas sûr que, encore une fois, on n'entend pas tant que ça, nous, dans nos rangs, le fait de pouvoir user les armes. Les collègues sont formés, ils savent exactement le cadre dans lequel ils peuvent les utiliser, je pense. Et en effet, j'entendais juste avant de rentrer, je pense pas qu'un ministre aujourd'hui dise à mes collègues, vous pouvez y aller tirer dans le tas. Et je suis pas sûr que dans une démocratie comme la nôtre et un état de droit, ça soit normal à entendre non plus. Enfin, En fait, je pense qu'on a besoin de clarté, de rapidité, oui, de vraies réponses pénales et peut-être de changer un peu de paradigme. Alors, je suis pas un expert de la justice, mais est-ce que ça fait des décennies, pardon, qu'on regarde ça sous le prisme de la reconstruction du délinquant. Alors, évidemment qu'en étant syndicaliste, on est forcément un peu humaniste, aussi un peu utopiste. Mais en tout cas, moi, je ne comprends pas qu'on refasse des débats sur la peine de mort. Mais au-delà de ça, j'aimerais quand même qu'on parle vraiment de ce que c'est qu'une sanction pénale et de quel but elle doit atteindre. Est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions pénales qu'on prend atteignent vraiment le but pour lequel elles sont prises? À savoir, est-ce que ça répare la société? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on répare le préjudice subi par les victimes? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on a une reconstruction des délinquants? On voit bien que ce n'est pas le cas. Et en plus, on a une partie de la magistrature qui nous explique que finalement, envoyer ces gens-là en prison, c'est pire parce qu'ils en ressortent encore plus mauvais. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'en restant à l'extérieur, ils sont meilleurs. Je ne suis pas sûr non plus. Donc on a vraiment un vrai souci par rapport, à mon sens, à cette réponse pénale, qui en plus, quand on regarde les chiffres et qu'on les décortique un peu, ça fait quand même froid dans le dos. On parle de 87% des dossiers qui sont traités, sauf qu'en fait, quand vous enlevez déjà les 70% qui sont shootés d'opportunités, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de matière, quand vous prenez dans les 30% qui restent, il y en a déjà 12% qui sont aussi évacués de la même manière. Au final, sur les 4 700 000 plaintes et affaires portées devant les tribunaux en 2018, c'est simplement 500 000 qui sont réellement traités pénalement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et tout ça parce qu'en Les fait, finalement... 8% pardon, d'augmentation du budget de la justice qu'a arraché Éric Dupond-Moretti, si on le croit avec les dents, hein, il est allé au combat. Est-ce que ça peut être de nature à changer les Honnêtement, choses? je ne connais pas assez le dossier sur le fond pour pouvoir en parler. Si je prends les choses de manière factuelle... Je ne fais pas de politique, mais je reprends simplement le programme d'Emmanuel Macron. Il promettait 15 000 places de prison. Pardon, est-ce qu'aujourd'hui on les a eues? Je ne pense pas. Bon, il reste 2 ans, 18 mois. Voilà. Est-ce qu'il en construira 10 000 en 18 mois? Je ne suis pas sûr non plus. Mais ça veut dire que... On regarde souvent, vous parliez, je fais un parallèle, on parlait du schéma national de maintien d'ordre, on a été focus sur ce qui se passait à l'étranger et sur nos voisins européens, sur leur méthode en maintien de l'ordre. Ben, j'aimerais qu'on regarde ce qui se passe aussi à l'étranger sur les conditions carcérales. Aujourd'hui, on a 80 places de prison pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 110, entre 110 et 130 places. Est-ce qu'on n'a pas un souci là-dessus? Moi, je ne suis pas pour le tout prison, mais je suis quand même pour la privation de liberté quand ça le mérite. Vous allez recevoir, enfin, vos représentants vont être reçus par Emmanuel Macron jeudi. Est-ce que ça fait partie des dossiers que vous allez mettre sur la table? Mais jeudi, on est. Demain, on est reçu par le ministre dans le cadre d'une réunion sur les dossiers de fond qui vont avoir attrait aux policiers en termes de carré et au personnel administratif, technique et scientifique qui sont évidemment primordiales au quotidien pour la police. On va traiter de leur carrière, on va traiter de leur statut. Pour certains, on va traiter de leur matériel. Donc ça va être très axé très sur la concret. Police et très dans le champ surtout de compétences du ministre de l'Intérieur qui est Gérald Darmanin. Le président nous a conviés hier soir, c'est tombé hier soir, donc déjà on s'en félicite. C'est un honneur évidemment d'être reçu par le président de la République et on est reçu essentiellement sur la question normalement de la réponse pénale et de la politique Absolument. Pénale. Donc ça va être super intéressant. Ce sera exclusivement là-dessus. Logiquement oui, alors j'espère qu'on aura le temps d'échange. Pour discuter un petit peu d'autres choses. Est-ce que vous savez si, par exemple, le garde des Sceaux participera à cette réunion? Pour l'instant, on n'a aucun format donné de protocole ou des participants.
avant. Moi, je mènerai humblement la délégation Unité GP Police avec Jérôme Moisan, mon futur adjoint normalement. Donc, on sera tous les deux et on va voir à peu près comment ça se passe. On sait déjà ce qu'on doit lui dire, nous, hein, de toute façon. Hein, ça va être assez. Encore une fois, on aimerait sortir de l'incantation. C'est simplement ça, avoir un peu de concret, un peu de réel. Vous l'avez démontré, les prises de parole des divers politiques avec une escalade sémantique. Moi, je reste assez basique. On représente des gens qui sont très pragmatiques parce qu'ils sont confrontés à la réalité quotidiennement. Eh ben, on veut juste leur apporter des solutions, qu'ils le soient tout autant. Alors, parmi les solutions, je ne sais pas si vous avez lu le Figaro ce matin, il y a une interview de Marlène Schiappa au sujet du trafic de drogue et qui dit en fait, il faudrait réussir à éviter que les très jeunes, notamment, ne tombent dans ce trafic-là, et notamment pour ceux qui font ce qu'on dit le chouf, c'est-à-dire le gay. Dans les trafics de drogue. Elle veut proposer un contre-modèle et donc elle dit il faudrait faire une sorte, je vais faire un raccourci, mais une sorte de travaux d'intérêt général, d'expliquer aux enfants qu'ils seront rémunérés, en fait, enfin aux enfants ou aux jeunes, qu'ils seront rémunérés pour aller remettre en ordre quelque chose qui aura été dégradé ou cassé. En gros, tu répares ta bêtise, on te donne un petit peu d'argent et puis ça évitera que tu tombes dans le chouf. Ça vous semble, je vous vois dubitatif. Oui, je le suis parce que, alors attention, c'est déjà bien de proposer. Je veux pas paraître trop dur, mais clairement, quand on sait qu'une journée en chouf, c'est 150 euros, va falloir qu'elle s'aligne, Marlène Schiappa, pour motiver un peu les jeunes. Mais enfin, globalement, je trouve que le problème, c'est de proposer un contre-modèle. En fait, le problème qu'on a dans ces quartiers-là, c'est qu'il y a déjà une contre-société. Donc, en fait, on propose encore un contre-modèle à une contre-société. Revenons à la base. Quand l'État fait sécession dans ces quartiers, malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est d'autres qui prennent la main, que ce soit une partie communautariste ou alors forcément des trafics en drogue, qui en effet prennent la main sur la jeunesse de ces quartiers-là parce que c'est de l'argent facile, parce que finalement, on voit qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école et qu'on arrive à gagner 2000 euros. Et surtout, à nourrir des familles, parce que c'est aussi ça qu'il faut dire, c'est que le trafic de drogue, c'est compliqué, mais c'est 2,5 milliards d'argent qui rentrent dans les quartiers et qui font vivre des barres entières de familles. Et là, il y a une vraie problématique parce qu'on sait que c'est une économie parallèle. Globalement, je pense qu'en fait, je n'ai pas ricané, en fait. Mais je pense par contre que la réponse ne peut pas être que policière, elle ne peut pas être que judiciaire. Elle est forcément globale en termes d'éducation, en termes d'insertion, en termes de police, de relations avec la police-population. Tout ce qu'on fait plus depuis des années dans ce quartier-là, avec du lien social, avec tout ça. Donc ça peut faire partir d'un ensemble de mesures, La solution, on est d'accord. À mon sens, ce n'est pas la solution. Mais cette solution, si elle vient avec une autre solution éducative et avec une autre solution, on peut reprendre pied tout doucement. Il faut bien commencer par quelque chose. Là, comme ça, vu les circonstances, vu la situation dans laquelle on est dans certains quartiers, forcément que ça pourrait avoir tendance à faire sourire. Par contre, si c'est une mesure parmi tant d'autres qui peuvent permettre justement, encore une fois, de mettre fin à ces contre-sociétés qui se développent dans nos quartiers, feu, quoi. Je veux dire, tant que, de toute façon, si on essaye rien, on n'y arrivera pas non plus. J'ai pas réellement d'idée. Alors, déjà, le fait de simplifier la procédure pour les consommateurs, on a très peu de recul puisque ça a un mois, c'est tout récent. On peut voir ce que ça peut donner je suis pas sûr que ça ait un vrai impact sur les têtes de réseau, parce que c'est ça en fait. Je pense que si on veut recentrer l'action de la police et surtout avoir de l'autre côté une vraie efficacité au niveau de la justice. C'est des études de chercheurs, mais globalement, il y a 5 à 6% de la délinquance qui représentent vraiment un noyau dur et qu'il faudrait aller chercher de manière chirurgicale, pour essayer de taper juste. Là, globalement, on a une réponse de front sur les stupes. Le vrai enjeu, c'est quand même de faire tomber les réseaux. Mais justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, parce qu'on parle beaucoup sécurité, autorité de l'État, etc., etc., attaque contre les policiers, c'est vraiment le sujet dont on parle énormément en ce moment, et on a beaucoup, notamment de policiers, mais pas que, on a même le ministre de l'Intérieur qui nous dit en fait le nœud du problème, c'est le trafic de drogue. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Tout part de là ? Alors, beaucoup de choses partent de là, c'est sûr, dans les quartiers, puisque, en fait, encore une fois, cette économie parallèle qui crée une contre-société alimente énormément de choses. Les gens, ça alimente quand même la
plupart des délinquances, la plupart des trafics. Les cambriolages, les agressions. Mais pas que, aussi les armes. Ça alimente aussi une partie du terrorisme. Ça alimente le trafic de stup. C'est vraiment l'enjeu majeur, on va dire, en termes de criminalité à combattre. Et en fait, et après, sur le quotidien dans ces quartiers-là, eh ben, c'est simplement, on le sait, des points de deal qui bloquent des allées d'immeubles. Ça pourrit la vie des gens qui... globalement, comme tout, chacun espère vivre paisiblement dans son quartier, quel qu'il soit, populaire ou pas. Et vous parlez de quartier, mais en fait, nous, on nous dit que c'est aussi désormais sur tout le territoire. Hein. Ça peut être aussi dans les campagnes, ça peut être aussi... Enfin, après, on reste quand même sur des gros points. Plus il y a d'habitants, plus vous avez de consommateurs. On parle de business quand même. Vous allez à Grenoble, il y a des barres d'immeubles désaffectés dont ils servent comme des supermarchés avec des rayons où vous y allez et vous promenez et vous choisissez votre drogue. Si vous achetez 10 barrettes, la 11e, elle est gratuite. On en est là. On parle vraiment d'un business qui est complètement... c'est affiché. Quoi. Au jour. Et on a pour avoir discuté d'ailleurs avec ce groupe sub de Grenoble, par exemple, les collègues ont juste l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère, parce que dès qu'ils font tomber une tête, il y en a deux qui reviennent. Et il y a tellement d'argent derrière et c'est tellement puissant que forcément, c'est extrêmement compliqué à lutter contre ça. Maintenant, malheureusement, il y a tout ce qui se voit pas, tout ce que ça génère comme argent et tout ce qui se voit. Et c'est la petite délinquance qui pourrit surtout le quotidien des citoyens et qui est dangereuse à gérer pour mes collègues policiers. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.